Bonsoir, mardi 9 mai 2023. La mort de la chanteuse Rita Lee, icône féministe et superstar du rock brésilien. L'interprète de Lança Perfume, immense star au Brésil, avait vendu plus de 60 millions d'albums dans le monde entier en un demi-siècle de carrière. Elle est morte lundi 8 mai chez elle, à São Paulo, à l'âge de 75. En février, la chanteuse brésilienne Rita Lee avait été hospitalisée en urgence. Elle était atteinte d'une tumeur cancéreuse au poumon et qu'elle avait baptisée Jair, le prénom uni de l'ex-président de la République d'extrême droite, Bolsonaro. Elle en était sortie et puisqu'elle suivait un précepte au pouvoir défini, soit vous suivez le chemin des dents, soit celui des sorcières, les dents poursuivent la fontaine de la jouvence et leur plus grand ennemi est le temps. Quant aux sorcières, leur plus grand allié est le temps. Elle avait posé son Instagram maigre comme jamais, cheveux ras et peu multicolore, électrisante, Rita Lee a été au camp, entourée de plantes et d'animaux. Le Brésil avait un peu, lui qui a perdu la Algérie baïanaise d'Ivoire en novembre 2022, puis le roi Pelé deux mois plus tard, comme si elle sorte la acharnée sur la légende de sa culture populaire. Elle, celle-ci, était de taille brune à franges, puis rousse, flamboyant en blond désagéré, en tatouant Paul Dingue. Rita Lee a été la rockeuse brésilienne par excellence. Avec l'eau de romantisme, elle avait écrit un chapelet de doubles, composé seul ou à partir de 1976, avec son compagnon et père de ses enfants, Roberto de Carvalho, repris par de multiples artistes parmi les meilleurs. Lança Perfume, Mania de Você, Doce Vampiro, Desculpe Huawei, on a fait chavirer le Brésil pendant 100 décennies. Né le 31 décembre 1947, Italie Jones de Carvalho est morte le 8 mai 2023 chez elle à São Paulo, sa ville de naissance, ville multiple et moderne, dont elle était devenue l'incarnation. Âgée de 75 ans, elle avait souvent récusé l'étiquette des reines du rock brésilien, jugée ringarde, et à laquelle, disait-elle, elle aurait largement préféré celle des saints patrons de la liberté. Icône du féminisme des premières heures, percutante, Rita Lee a aimé l'amour, la sensualité, la parole libre du rock. Elle avait emprunté les codes de la guitare du Brésil et de la bossa nova, la voix feutrée de la coupe des plaisirs des sons. Mouton noir. Elle tenait son nom d'un père américain, Charles Findlay Jones, qui avait ajouté Lee en hommage au général confédéré Robert Edward Lee, émigré à São Paulo, dentiste un peu barré dans les histoires des soucoupes volantes. Il avait épousé Romilda Padua, fille d'Italien, pianiste et femme au foyer, et qui impose à sa fille des cours de piano classique avec la virtuose Maddalena Tagliaferro. Être italo-américaine dans les années 1950 au Brésil, même dans la mégalopole de São Paulo, ne va pas de soi, les territoires étant bien marqués. Elle raconte dans une succulente autobiographie publiée en 2006, Rita Lee, uma autobiografia não traduzida em francês. Lee Jones, père, mère, Rita e deux sœurs, furent tribus
Il tenait parfois la robe de mouton noir. Elle ne fit un tube au Vela Negra en 1975. Hitler Lee étudie au lycée Pasteur, français obligatoire, s'amuse de peur de ses congénérés en induisant leur bas de pantoufles rouges, référence à la menstruation, un tabou de à l'époque. Comme dès l'adolescence, elle a un petit grand et fond de groupe en underground, un trio vocal féminin, The Teenage Singers, puis un trio avec Arnaldo Batista et Sérgio Dias, Os Bruxos, devenu en 1966, Os Mutantes, Les Mutants, bouleversant les données de la musique populaire brésilienne, MPB, par des thèmes aussi et des arrangements rock psychédélique. Les Mutants participant à un disque fondateur de Tropicalisme, Tropicalia au Panier et 606, avec Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, opposé à la dictature militaire. Os Mutantes publiant un poignant d'album devenu Scoop, arrangé par Rogério Duprat, un surdoué amoureux des Beatles et des ex-LV de Calvin Harris et Stockhouse. Italie s'en échappe et enregistre un solo en fond de son groupe, Tutti Frutti. J'étais la seule fille dans un groupe de mecs qui avait pour mantra que pour faire du rock, il faut avoir des poules. Moi, j'avais mon terreau et mes ovaires. Et je me sentais les régales qu'ils veulent en nom, écrit-elle dans son autobiographie. Dépendante à toutes sortes de stupéfaciants, passée par l'hôpital psychiatrique et les cures de désintox. Interprète de l'effet de l'épisode, puis de les enfants avec Roberto, et finalement libre ses textes à fondre les tabous des années 1980. Le sexe, l'homosexualité, la culture queer, à l'avortement, à la légalisation de la marijuana et les violences policières. Dans la tenue les plus extravagantes, l'Italie pratique en chaîne une androgynie totale, selon ce terme. Appel hédoniste. Lance un parfum paru en 1980, va lui assurer à la célébrité transfrontalière. En 1981, et en France, cette chanson, rigoureusement, Disco Challenge Alain Chamfort ou Michel Berger dans les charts. Italie disait de ce titre qu'il était idéal pour les patinoires et les discothèques, vu comme des lieux de drague et de pouvoir de corps. C'est l'appel hédoniste à respirer du lance-parfum en dérivé de ce vin parfumé agréablement à la grenade, à la noix de coco, aux essences florales. Une sorte de poupée inventée en 1906 au carnaval à Rio et utilisée depuis en abondance dans les fêtes et les bals. Interdit, puis réautorisé, puis réinterdit, recomposé, les lance-parfumistes ont quand même mis tout le monde d'accord sur un point. C'est très mauvais pour la santé, mais excellent pour l'enthousiasme et tout genre. Italie écrit, ça me met la tête à l'envers. Je ne vais pas me calmer, sauf si tu me donnes le plaisir d'avoir du plaisir avec moi. Conclut, chauffe-moi. Dans son autobiographie, Italie qui a écrit des livres pour enfants et des fictions, et dépend d'un style
inventif, fleuri, rempli d'expressions populaires, une famille un peu folle. Puis elle évoque un épisode fondateur avec Perdeur en 10 lignes. Sa mère fait de la couture. Elle a 6 ans. La machine Singer se bloque. Une réparateur est appelée. La gamine est jouée par terre. Le téléphone sonne. La mère sort de la pièce. Quand elle revient, Rita est en tête de sidération. Les manches d'un tournoi vide planté dans la vagin. Le fils de foot qui a fait ça a disparu. On ne le dit pas au père. Il aurait tué. Et on les préfère libres. Mais dès lors, sa mère et ses deux sœurs vivront toutes ses folies, considérant comme une handicapée psychologique. Ensuite, l'Italie a vendu environ 60 millions d'albums dans le monde, joué avec les Rolling Stones et d'autres. À 75, elle observait les ovnis et défendait la cause animale. Au Brésil, elle était aimée pour avoir compris les fondements. Un peuple qui souffre, mais s'est joui comme une personne du présent. Date 1947, naissance à São Paulo. 1968, album Os Mutantes, Polidor. 1975, premier succès de vente avec Fruto Proibido, son livre. 1966, emprisonné par le gouvernement militaire pour usage de cannabis. 1981, succès international de Lança Perfume. 2002, album Reza, Biscoito Pino. 2006, Rita Lee, uma autobiografia, Globo. 2023, Morte em São Paulo. Ela vem agora com Lança Perfume, Rita Lee. Sexta Super, Rita Lee estará se apresentando com um especial inteiramente dela, gravado ao vivo no Teatro Globo Rio.
Rita Lee était une grande personne, féministe, contre la discrimination. J'aime les chansons de Rita Lee, principalement Ovelha Negra e O Que Você Quer. Cette vidéo est un hommage à cette grande dame, à cette grande femme. S'appelle Rita Lee. Você não deixa de querer tão Rita fácil. Lee não é morta. Rita Lee é devenir. Bêbado, você ainda quer. Merci beaucoup, em perigo, Rita. Você quer. Muito obrigado. Perdido, ainda quer. O que você quer? O que você